Depuis mon déménagement, l'une des choses qu'il me fallait absolument, c'était un bureau de travail. Après avoir longtemps cherché sur Internet, regardé ça et là, je suis tombé sur ce bureau de travail que je trouve tout simplement magnifique. Déjà, avant je voulais partir sur du blanc, mais vu la peinture des lieux, il me fallait amener du contraste. Décision fut donc prise pour le bois clair. Maintenant que la livraison est là, il me faut monter tout le travail. Et il est 12h, il va donc falloir se dépêcher. Car nous sommes en hiver et la nuit tombe vite. Et je ne veux surtout pas avoir des problèmes avec les voisins pour des bruits nocturnes. Le schéma il est assez détaillé. Donc j'enchaîne les étapes. Je pose les pointes, je pose les vis. Chaque partie, mais il me faut tout le temps revenir au schéma. Je n'arrête pas d'accélérer. Le temps me court après, les vis s'enchaînent. Je reçois tout à coup un appel du bureau des finances. Il semblerait qu'ils m'ont envoyé une lettre, mais elle est retournée. Que faire? Je cogite, j'essaie de lui donner ma nouvelle adresse. Elle hésite, puis refuse. Mais bon, va falloir passer à autre chose. Car j'ai encore du boulot, du pain sur la planche, comme on le dirait. Je continue de visser, d'aligner les parties, mesurer les distances, éviter les erreurs, revenir au schéma. Jusqu'à la fin, la table se termine. Ouf! Quel soulagement intense! Il manque maintenant la chaise qui, elle, se trouve dans un autre carton. Il me faut vérifier si toutes les pièces sont bien là. Oui, elles le sont toutes. Je tombe maintenant sur un nouveau schéma. Mince! Bim! C'est bon. Je l'ai fait. Et encore, il fait jour. Je suis satisfait. Je teste tout cela. Ça a l'air de fonctionner à merveille. Donc, je suis satisfait du résultat. Et tout à coup,